Les amis, on se boit un petit café dans ma maison avant d'aller sur le chantier, surtout dans notre dépôt avec Hyper Gigi. Bonjour. Alors j'espère que tu t'es bien habillé parce qu'ils annoncent du froid aujourd'hui. Hein. Ah, j'ai mis ma grosse veste. Bon, on sort de la véranda, on va remonter. Ouais, on a une belle petite maison. Ton étang est gelé. Ouais, je sais bien, ouais. D'ailleurs, faut que je le nettoie. Ouais. Et on arrive simplement dans notre dépôt, donc on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. On fait un chantier dans une cave, donc un chantier souterrain. Donc on est parti, je vais prendre le camion man et je vais atteler la remorque juste derrière. Pendant ce temps-là, Hyper J prend l'eau de la camionnette. Et va ouvrir les à côté puisqu'on va devoir dans un premier temps vider l'inondation parce que c'est une cave inondée. Deuxièmement, enlever la terre qui bloque en fait le passage dans la cave. Et troisièmement, y installer une fosse septique. Voilà. Tout ça. Voilà. Tout ça. Écoute, normalement, je vais prendre le petit tracteur Kubota et on va charger du coup la fosse septique dessus. Ouais. Donc la remorque, c'est vrai qu'elle fait pitié par rapport au camion. C'est juste qu'ici, on va pouvoir y charger tout ce qui est mini-pelle. Alors, on va devoir se servir des mini-engins. Bah, en fait, on va pas se servir que de mini-engins. On a des engins normaux pour tuer à l'extérieur de la cave. Donc, par exemple, mon camion là. Mais pour ce qui est de l'entrée dans la cave, il faut obligatoirement des petits engins. Sinon, on ne rentrera pas. Hop, peut-être que je recule. Bah, écoute, ça va le faire. Ça va le faire. Non, mais je suis en face de la remorque. Ah oui. Ah oui, alors oui. Non, parce que dans ce sens-là, ça va me sembler compliqué pour que je la prenne. Alors, on doit installer vraiment les deux, ouais, donc deux fosses septiques de 4000 litres dans la cave, évidemment. Alors, normalement, elle rentre sans problème, on a été prendre les dimensions, y a pas de souci. Voilà. D'ailleurs, tu penses que je peux mettre les deux sur ton camion? Ça va être juste, hein. Peut-être, si tu refermes pas les à côté, peut-être ça passe, hein. Oh. Déjà, là, tu me manges la cabine. Non, mais ça va passer. Mais c'est juste que je me demandais si en largeur, je peux mettre les deux. Tu vois, genre si je la mets. Je viendrai en rechercher une. Bah, en vrai, non, si tu refermes pas les à côté, ça passe. Ouais, ouais. Ouais, ça le fait, hein. T'as plaisant quand même, hein. Ouais. Ah, fais-moi confiance, Hyper Gilles déjà transporté 50 000 faux sceptiques, s'il te plaît. Ouais. Non, mais ouais. C'est vrai. Ouais, je te fais confiance alors. Ça va. Allez, mais elle vient, mais va en dessous de mon pic, toi. Mais prends-la. Oh. Oh là, oh là. Elle veut pas venir en dessous de mon pic, décidément. Alors, je veux quand même essayer de me mettre plus droit par rapport à l'autre, parce que l'autre, je l'ai mis complètement de travers. Ah ouais, tu m'as posé ça comme un chien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais prendre les petites JCB après. Si ça veut bien passer. Est-ce que je suis. Ouais. Ouais, bravo. Ouais. Ouais. On aurait peut-être dû faire une par une, mais non. Ouais. Ça va le faire, Hyper, je te jure. Voilà. Ouais. Normalement, c'est bon. Alors, c'est vrai que j'avais vu que c'était un peu plus large, mais là, ça passe vraiment tout juste. Hein. Essaye voir d'avancer. Normalement, c'est bon. Hein. Devrait pas trop te poser de problème. Voilà, tu vois. Bon, alors, tu seras peut-être un peu plus large que la route, hein, mais. Ouais. Mais ça va moi, le faire. Je trouve que ça bouge beaucoup, mais bon. Ah ouais? On verra bien. Ouais, t'inquiète. Donc, on a le petit Kubota là qu'on vient de se servir. Et puis, on a également le plus gros Kubota avec la remorque derrière pour charger la terre. Bon, on est parti, chef? Bah oui, mais t'as rien chargé sur ta remorque. Bah si, bah attends, on est parti charger des trucs. Alors, j'ai changé de marque maintenant. Avant, j'étais plutôt sur du Vermeer pour tout ce qui est les petits chargeurs comme ça. On est passé sur du Bobcat. Alors, on a gardé quand même le Vermeer, mais j'ai envie de tenter notre nouveau Bobcat. Bah écoute, viens avec la petite pelleteuse JCB sans cabine. Peut-être que. Faut que je pousse celle-là. Ouais, il faut que tu pousses celle-là avec cabine. De toute façon, on va toutes les ramener. Hein. On va toutes les ramener. Voilà. Bah, normalement, je peux mettre l'autre. Hein, si je. Bah, déjà, en fait, vous savez quoi? Je vais le mettre en marche arrière. Puisque au moins, je pourrais lever la. Comment on l'appelle? Sinon, si tu le mets en marche avant, je risque d'avoir des problèmes avec le camion. Voilà. Ok, on va pas trop reculer. Ça me semble pas mal. Ok. Hop. Ah bon, t'as réussi? D'ailleurs, électrique, ta mini pelle. Ouais. C'est nouveau format. Vas-y. Va en marche arrière aussi, ouais. Ce sera mieux. Mais gaffe, tu vas te prendre le bac dans la tronche. Bah oui. Aïe. Oui. Aïe, 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 vas-y. Ah bah non, je peux pas lever plus haut. Mais bon. Oh. Je descends. C'est mieux. Bon, voilà. Cette fois-ci, on est parti. Alors, on va déjà amener ce matériel-là, les amis. Mais ensuite, ce qu'on va faire, c'est amener le camion Enedis. Alors là, vous allez vous dire, et surtout la cuve. La cuve pour pomper l'eau. Donc, on va devoir pomper l'eau. Et le camion Enedis, à quoi il va servir? Tout simplement à rétablir l'électricité. Parce que oui, c'est une maison, une grosse maison, tu vois, à laquelle il n'y a plus d'électricité. Ouais. Donc, il va falloir la rétablir. Et vu que tu as travaillé chez Enedis, voilà. Je me suis dit que c'était une bonne idée de te faire confiance à ce niveau-là pour rétablir l'électricité. Ouais. Donc je vais te mettre dans le camion, tu sais, tu monteras sur la nacelle et hop, tu rétabliras l'électricité, hein, Hyper Gigi, je te fais confiance. Bon, on y arrive sereinement et voici là où on va devoir aller, voici notre cave. Donc regardez, on a déjà l'accès, enfin on n'a pas vraiment l'accès. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi il y a une machine qui est déjà sur le chantier, vous allez comprendre. Parce que vu qu'on n'a pas l'accès, on est obligé de mettre nos véhicules, de les prendre du plateau et de les taper dans le sol. Enfin de les taper dans le sol, de les taper dans la cave quoi. Hop. Je vais me garer là pour l'instant. Ouais, vas-y. Je déplie mon petit plateau. Et là, on est plutôt pas mal. Donc, regardez, voici
La cave, donc là on a l'entrée là, et là on a l'entrée qui est juste en face. Alors là, hyper dit, je me suis noyé. On a quand même une sacrée hauteur, hein, l'air de rien. Du coup les gars, on est à bord de ce magnifique engin. Première fois que je m'en sers, et c'est vraiment stylé puisque bah, on va pouvoir du coup atteler nos petits véhicules, enfin surtout les mettre bah, du coup dans la cave. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que, regardez, quand j'écarte ici mon bras à gauche, j'ai un contrepoids qui est à droite et qui va s'écarter en même temps, histoire de pouvoir rester stable. Donc je vais me mettre à peu près dans l'axe ici, je vais descendre un petit peu, ça me paraît pas mal, voilà. Et normalement si je remonte, il devrait... Ouais, alors le poids il est bien, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais il est tellement bien qu'il est plus lourd que prévu. Attends, bon. Bon, c'est quoi? Eh, on va faire ça tout en finesse, hein. Tu connais? Vas-y. C'est bon, c'est dedans. Ouais. Attends, on a un autre engin que t'as ramené ou pas? Oh, pour le moment, on a que la pelleteuse. Ouais. Ok, parfait. Bon, alors à la base, je devais pas mettre l'engin. On va quand même, s'il vous plaît, ramener... Bon, déjà rétablir l'électricité et ensuite vider la cave d'eau. Hein. Bon, alors Hyper J, il m'a fait une réflexion pas conne. Il m'a dit, il serait peut-être mieux de vider la cave avant de remettre l'électricité. Et c'est vrai qu'il a raison. Donc on va venir avec le Volvo BM, Hyper JJ avec le tuyau, et on va pomper l'eau. Pomper l'op. C'est une super blague, ça Hyper JJ, j'espère que t'as bien aimé. Et du coup, bah, on va pomper l'eau jusqu'au temps que notre cuve soit remplie et qu'on ait vidé toute l'eau. Tu mets le tuyau? Je mets le tuyau. Vas-y. Voilà. Bon, bah les amis, je vous retrouve quand la cave est vide, histoire qu'on puisse remettre l'électricité. Voilà, c'est tout vide. Donc regardez, c'est un peu plus clean comme ça. Je vais remettre la cuve juste devant, on la ramènera par la suite. Et de ce qu'on va faire avant juste de remettre l'électricité, c'est que je vais continuer à mettre tout ce qu'on a besoin bah, dans la cave. Donc on va déjà faire un petit tour à pied. Donc là pour le moment on a que le petit chargeur Bobcat. Et si on rentre par ici, vous voyez qu'on a toute cette terre là à enlever. Et bienvenue dans la cave qu'il faut que, bah, qu'on vienne mettre la fosse septique. Donc regardez, tout ça c'est à enlever. Donc il y a quand même, allez, quand même je dirais 5-6 tonnes de terre à enlever. Et donc voilà, alors on va remonter, si je peux remonter. Allez, encore un petit saut. Non, Hyper J, je te vois en haut. Bah ouais, moi aussi, je te vois en bas, moi. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir comme ça. Ce que je vais faire, c'est mettre les fosses septiques avec Hyper J. Ah, donc, bien. On va reculer le camion tranquillement. T'en penses quoi si je recule le camion directement dans la cave? Oui, bah oui. Ah, mais vas-y, recule dans la cave, toi. Hein. Voilà. Salut, Hyper J. Oh. Aïe. T'es pas atterri du bon côté, toi. Du moonwalk. Aïe, c'était juste. Oh mon dieu, j'avais pas vu que le camion était déjà à bord. Voilà. Oh là là, je vais avoir le camion sous le nez. Non, non, t'inquiète, on est large. Bon. Oh non, j'espère. Ah bah oui, ça va me sangler le... Le camion? Ouais. Ah bah non, t'es sûr qu'elle s'était pas sanglée, les cuves? Je crois qu'il y en a une qui est sanglée quand même. Hein. Ah. Voilà, c'est bon, nos deux fosses septiques sont mis. Donc pour le moment, on a la mini pelleteuse et le Bobcat qui sont aussi dedans. Et ce qu'on va faire, c'est aller chercher la troisième pelleteuse, enfin la deuxième pelleteuse plutôt, la mini pelleteuse, comme ça on va pouvoir recharger. Et on va également aller chercher le Yanmar pour pouvoir ramener les terres, pour pouvoir passer les terres dans la cave ici et les ramener devant. Les amis, nous avons tout ramené, on a les deux mini pelleteuses, le Yanmar pour ramener la terre devant et le petit chargeur ici, Bobcat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rétablir l'électricité dans tout simplement la maison. Bon alors, t'es prêt à réparer l'électricité, Hyper GG? Bah, faut bien. Voilà. On verra plus clair dans la cave. Ah bah oui, c'est sûr. Donc regardez Hyper GG à côté de moi tranquillement. Voilà, au calme. J'ai l'impression que t'as une tête de fatigué, t'es sûr que t'as bien dormi la nuit passée? Ouais, ça a été. Un peu courte, mais... Hop là, voilà. On va prendre à gauche ici, j'allais dire non, c'est faux. C'est non, totalement l'autre entrée. Voilà, c'est là. Ah bah attends, on n'est pas venu beaucoup de fois, pour le moment on est venu que 4 fois. Ouais, il faut encore que je retienne la route. Ouais. Du coup, il faut que tu montes ici sur le... Attends, il est où le raccord électrique là? À l'entrée, je crois. Dessus, ah bah tu vois déjà, ouais, et déjà t'as une nacelle... ouais, il est là, à gauche. Ouais. Et déjà t'as une nacelle de près, tu vois, alors celle-là elle est dans un état. Attends, comment je vais mettre déjà? Attends, je vais te reculer le camion si tu veux. Ouais, bah non, mais au pire, vas-y, parce que je vais mettre en marche arrière. Ouais, vas-y. Je vais mettre en marche arrière, comme ça tu seras vraiment en face de ce qu'il faut. Voilà. Hop, impeccable. Alors attends, je mets la nacelle correctement. Oui. Voilà. Tac. C'est moi qui monte, mais t'inquiète, je te laisserai monter. Après, il faut que tu fasses juste un petit peu d'exercice. Oui, le temps de monter, Hyper J, d'accord? Je vais aller chercher mon jetpack et puis je serai là tout de suite. Vas-y. Non, pas en jetpack, quand même. Bah, t'es passé où? Ah bah oui. Le petit malin. Attends, et moi, je peux pas venir t'enjoindre? Vas-y. Mais je crois pas. Si, c'est bon. Arrive. Allez, viens. Non, c'est préférable que non, j'ai peur de me frapper. J'ai le vertige, Hyper J, ok? Te viande pas. Non mais, laisse-moi monter. On est dieu. C'est bon? Ouais.
Allez, c'est bien. Tu veux une clé spéciale ou pas? Non, non, j'ai mon tournevis, c'est spécial, c'est bon. Allez, j'ai mis le fil rouge sur le fil rouge et le fil bleu sur le fil bleu, ça devrait être... T'es pas engagé hyper Gigi parce que 3 coups de tournevis et votre électricité est réparée. Hein. Voilà. C'est le meilleur de la région, je vous le dis. Voilà. Bon, il coûte pas cher. Ah bah non, pour pas coûter cher, il coûte pas cher. Il rapporte même à ma société, tu te rends compte? Voilà. Il coûte pas cher. Juste, il coûte juste un petit pouce bleu sous la vidéo, puis un petit abonnement, et puis c'est fait. Putain, celui-là, voilà. Celui-là il est encore technique, hein, franchement. Ah, t'as vu? Ah, putain, il est technique. Bon allez les amis, on est parti enlever la terre et là on va devoir faire quelques allers-retours puisque je sais pas combien de tonnes on peut mettre dans le Yanmar, mais à mon avis pas beaucoup. Tu veux prendre celle avec un toit Hyper GG ou celle sans toit de pelleteuse? Ah je m'en fiche. Hey, comme par hasard il va prendre celle avec un toit, tu vois, parce qu'il a peur que la cave chargé la première déjà, elle est déjà chargée. Ah c'est gentil, merci. Ouais. Hey, t'as peur que la cave s'effondre ou quoi? Ah ouais. Non mais allez sérieusement. Ah je peux pas ouvrir les à côté en plus. Oh bah ça va être génial. Je crois qu'il faut que je monte. Enfin si, je crois que je peux ouvrir les à côté du Yanmar, mais ouais, c'est en fait le problème, c'est que si j'allonge trop le bras, le problème c'est qu'il y a trop de poids dessus quoi. Attendez les amis, je vais regarder pour voir les à côté. Ah oui, mais tu m'as inversé la pelleteuse. Je me disais pourquoi quand je recule ça avance. Bah oui. Oh, c'est rien, moi j'ai rien touché. Hein. Bah si, c'est parce que t'as inversé. Bah tu l'as tourné quoi en fait. Ah d'accord. Hop là. Bon alors attends. En fait ce que je vais faire c'est mettre le Yanmar. Faut le mettre là. Au milieu. Ouais, je pense. Regarde à ça. Hop. Voilà, regarde. Si, je peux ouvrir les à côté. Bah voilà. Ah, bah voilà. Carrément, je roule dans la terre. Ouais, voilà. Bah oui, de toute façon. Bah, je sais pas si je le mets. Entre les deux. Comme ça, là. Là? De toute façon, on s'en fout sur la terre. Ah oui, on s'en fout. Ah ouais, faudra juste la retirer après, quoi. Mais. Hop. Je vais retourner. Voilà. Bon, là, ça va être parfait. Du moins, au moins, on doit moins lever, quoi. Sinon. Hop. Alors, on va tu sais, quand je freine, ça sent qu'il y a du poids. Mais putain, on peut en mettre dans le Yanmar, attends. Je crois que. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je suis passé à la con. Alors, je t'explique, Hyper Gigi. Je suis passé à la concession et je l'ai modifié, tu vois. Ouais, mais t'aurais dû modifier les godets aussi. Hein. Non, parce que le garagiste, écoute bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu veux, je peux lui mettre 40 tonnes au Yanmar. J'ai dit, ah bah non, il n'a pas besoin. Et après, bah. Voilà. Résultat, à ce qui paraît, on peut mettre une centaine de godets dedans. Ah, d'accord. Ouais, faut déjà qu'on arrive à les charger. Hein. Ça va le faire si t'arrêtais de te prendre la machine. Bah, tu me connais, moi, les pelleteuses. Hein. Ouais, c'est vrai que toi, t'es plus dans la réparation électrique. Hein. Ouais. Les amis, ça avance plutôt pas mal, on a déjà déblayé toute cette zone et on va passer ici, cette fois-ci je vais prendre le petit Bobcat, notre nouveau Bobcat M100 et on va y aller, donc je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec un bac de Yanmar on aura assez, enfin pas de problème à ce niveau-là, hein. Je te le dis. Voilà, vraiment super sympa ces petites machines-là, je sais pas si ça existe en d'autres marques Vermeer et Bobcat, mais... Ah je sais pas. Voilà. Hyper Gigi a fini aussi de son côté, donc moi bah, ça ira plus vite au godet parce que faire cette allée là la mini pelle ça allait être ultra chiant parce que tourner et tout. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris le petit Bobcat, c'était surtout pour cette allée là. Et ensuite, les amis, il nous restera plus qu'à installer les petites fosses sceptiques. On va devoir les rentrer. Voilà, j'irai chercher le petit Kubota ou alors je mettrai une fourche à palette sur le Bobcat ici, je vais voir. Voilà, et ensuite, bah, il faudra remonter le Yanmar alors. Non mais je crois en toi. Ouais bah surtout que vu la capacité qu'il y a dans le Yanmar, je me dis que le 4 il va plus en pouvoir quoi. Non bah quand même. Bah normalement oui, normalement il est censé bien y aller mais bon. Ah mais je sais pourquoi il avait galéré avec le Bobcat, c'est parce que j'ai pris la Heavy Edition. En gros au moins t'es tranquille, tu peux charger ce que tu veux dedans, y a pas de problème quoi. Ah voilà. J'ai des feux là-dessus? Ah non j'ai pas de feux. Comment tu fais quand tu travailles la nuit avec ça, hein? Comment tu fais Hyper? Je travaille pas de nuit. Tu te mets une lampe torche sur la tête. T'es obligé de travailler le jour, c'est ça? Voilà. Bon, alors j'essaie de faire du mieux que je peux, les gars. C'est pas évident. C'est pas trop mal, là. Ouais, après, il reste un dépôt de terre, c'est pas la c'est pas la ouais. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, on s'est passé, y a rien qui nous embête. Voilà. Ok. Impeccable. Voilà. On a combien de tonnes, du coup? 15 000. Ah bah vas-y, tu peux me le ramener, je vais le remonter. Ouais. Et n'oublie pas de replier les côtés parce que... Mais oui, non mais... Oh, j'ai pas vu le trou derrière, mon dieu. Ah bah vas-y. Alors est-ce que, avec ça, les gars, peut-être avec ça, si je remonte comme ça... Oh, j'étais pas loin, peut-être si je cours. J'ai l'impression de faire un...
Qu'est-ce que tu fais? Fortnite. Bah je remonte du... Combien je remonte? Bouge pas, hyper GG, j'arrive. Non, tu peux rester dedans, ça va le faire. Ah, attends. Là, faut que je me mette dans l'axe, parce que si je fous cette machine-là dans le trou, c'est fini, on peut plus rien remonter. Ah bah, puis je suis en dessous, alors, toi bien. T'inquiète, je te remonte, hyper GG. Eh, hey, y'a du poids quand même, hein. Attends. Oula. Bah... Ouais. Attends. Ouais, j'attends, hein. Mais... Tu fais que ça. Oh! Ah! J'ai esquinté légèrement la machine. Voilà, le Yanmar est remonté, là, vous allez vous dire, mais il est passé où? Alors, hyper GG de l'emmener derrière, puisque derrière, nous avons une rampe. Pourquoi une rampe? On va pas se taper le trajet avec le Yanmar qui va à 5 km/h, vous vous doutez bien. Donc, vu que notre entreprise est sponsorisée par Kubota, bah ouais, on a deux petits tracteurs Kubota, même une benne en couleur orange. Bon, on va vider simplement la terre dans le... Comment? Dans la benne qui est juste derrière ici. Petite remorque, hein. Pas une très très grande, mais vu qu'on fait surtout les petits chantiers, nous. Non. De quoi? Non. Non, elle est pas grande, mais... Ah non, j'ai dit vu qu'on fait surtout aussi les petits chantiers. Tu m'as dit non. Bah non, on travaille pas. Là, je parlais de la remorque. Si, on travaille quand même. Hein. Voilà. Attends, je me mets bien collé pour que tu puisses normalement vider. Ça devrait être bon, là. Je pense. Voilà. Par contre, tu m'as dit... Ouais. Mais non. Ouais. Mais non. Mais bah non si, hein. Oh, je vais devoir faire deux trajets. Oh, le seum. Attends, tu m'as dit combien? 15 tonnes. Ouais. Ah, il m'en reste 7000, alors je sais pas, la tienne, ta remorque, allez, c'est tout de suite, hein. Eh ouais, mais vous avez vu à quel point j'ai pris le bon Yanmar, quand même, hein. Parce que je m'en sors pas. Bon, bref, on va aller vider la terre, du coup. Alors, en face du Super U, on a une petite zone de déchargement où je vais vider ma terre. Donc, c'est là où on va aller. Et on reviendra chercher la deuxième par la suite. Comme ça, il nous restera plus qu'à mettre les fosses sceptiques, les amis. Et puis, on aura... fini notre chantier du jour. Voilà. Chantier souterrain. Nous y voilà. Bon, c'est pas vraiment en face du Super U, mais c'est pas très très loin de là où on est. Et on va se mettre contre les rochers là-bas et on va vider tout ça. Puis regardez, j'ai déjà des débris. Enfin, c'est un peu un coin où on fourre tout ce qu'on n'a pas besoin. Là, il y a des vieilles poutrelles, des vieux pneus. Là, c'est un tas de pierres aussi. Et là-bas, du gravier, je pense. Donc après, ça nous appartient pas qu'à nous. Hein. Il y a d'autres personnes qui viennent en mettre. Non. Hop. Bon bah finalement on va devoir faire deux remorques. Ça je m'y attendais pas. Ça, il te reste combien t'as dit? 7000. Ouais, j'espère que ça va tout tenir. 7000. Ouais. Ouais, normalement ça aurait le faire, mais à mon avis elle aurait bien rempli la deuxième, hein. Pendant qu'Hyper GG est en train de ranger le matériel, on va pousser les deux fosses sceptiques. Alors là, je suis obligé de les pousser. Pourquoi? Parce que bah, je peux pas les prendre sur la longueur. Le dessus. Voilà. Donc, je vais devoir les pousser comme ça. Parce que, en largeur, je veux dire, elles rentrent pas. Je vais les prendre dans l'autre sens. Donc là, je vais les mettre là. Et cette fois-ci, on va pouvoir les reprendre. Alors, on va les poser où? Bah, aux endroits auxquels il y a de la place. Et bah, surtout, là, je pense que là où t'as failli tomber, là, je pense que ça peut être pas mal, non? Ouais. Bah oui. Si je mets les deux à cet endroit là, puisque ailleurs on va devoir mettre d'autres choses, donc ça peut être plutôt pas mal. Voilà, on va aller tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. 4000 litres. Ah bah ils vont pouvoir en chier les trucs, je le dis. Ah bah, sacré immeuble. Hein. Sacré. Ouais. Ouais. C'est l'immeuble pour les abonnés. Ouais, c'est le... Bah regardez les gars, on pense à vous, hein, quand même. Non, enfin on pense à vous sans... Oh là là, c'est pas passé loin que je me foute dans la merde. Ah. Oh là. Bon, première de mise, et on va venir mettre du coup la deuxième qui se trouve ici. Donc, est-ce que je peux tranquillement faire demi-tour? Alors, j'ai pris d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris le caterpillar qu'on avait au dépôt. Parce qu'en fait, c'est super pratique pour tourner ce genre de truc. Regardez, ça tourne vraiment très facilement. Et vu que je devais quand même être manœuvré dans un endroit pas très très pratique, on va dire. Ah, t'as réussi à tout charger? Ouais. Alors attends, c'est bah, les petits engins, ça s'emboîte bien, hein. Petit Tetris et puis c'est fait, hein. Un petit Tetris, ouais, c'est vraiment ça, t'sais. Voilà. Hop. Bon, et la deuxième, du coup, je vais la mettre au même endroit, les amis. Bon, alors finalement, je les ai mis dans le fond. Voilà, les deux, les unes, enfin l'une à côté de l'autre. Et du coup, bah, il te reste plus que l'engin que j'ai là à remettre sur un plateau ou pas? Ouais, ouais. Ok. Alors je remonte avec, t'inquiète, tu l'as. Voilà. Là, c'est pas mal. Fais gaffe parce que j'ai mis la fourche. Ah ouais, bah, je vois ça. Voilà quoi, faut pas prendre un dodan sinon ça risque de péter le carreau. Hop là, tu veux pas bien le monde dedans. Bon bah écoutez les amis, ah oui, il y a encore la cuve à ramener aussi.
Donc voilà le chargement. Ah ouais, Hypergis, t'as pas blagué, hein. Yanma, les deux pelleteuses, ah bah, le petit chargeur. Est-ce que je peux faire le tour par l'autre côté, là? Je pense. Attends, faut que je pose le tracteur, mais tu pourrais passer. Ah bah écoute, ça tombe bien, parce que je suis pas... Ouais, ouais, ok, je peux passer. Normalement, oui. Voilà. Et du coup, bah, direction le chantier, part avec quoi Bah, le tracteur, parce que il était en plein milieu du chantier. Ah bah vas-y, ouais, parfait. Du coup, il ne restera plus que les deux camions là, avec le man, les trois camions. Enfin, les deux camions, la cuve, et le caterpillar avec la flèche. Mais ça, on en aura peut-être encore besoin plus tard. Du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo travaux publics vous aura plu. Dans une... Bah, pour une fois, pour la première fois, je prends le machin d'un chantier souterrain, donc c'est pour ça que je voulais le faire. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Merci, mon ouvrier Hyper Gigi, rétablisseur de courant. Bah oui. Et bah attends, il n'y avait pas une deuxième pelleteuse derrière sur Marmor? Si, normalement il y a deux. Ah d'accord. On a perdu une. Ouais, on la retrouvera sur la route, hein. Ouais, c'est pas grave. Allez, ça, bisous, salut. Ciao. À la prochaine, les amis.